Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 255 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Mini Drivers. Je vous avais promis qu'on ferait le frère de Mini Bikers, qu'on a fait il y a quelques épisodes. Et on va jouer à Mini Drivers, donc c'est son petit frère ou sa petite sœur, je ne sais pas, ça dépend. Grand frère, grand sœur, voilà. Petite sœur ensemble. Petit frère, grand frère, je ne sais pas. C'est peut-être une fille, je ne sais pas. En tout cas... pour tourner, utilisez les curseurs de droite et de gauche, facile. Vous pouvez aussi changer le contrôle de votre caméra comme vous souhaitez en cliquant ici. C'est bon. Maintenant, courons. Et ben, on est parti pour la première course. C'est la première course, quand vous démarrez le jeu pour la première fois, vous avez une course par défaut. Vous n'avez pas le choix. Donc on va y jouer. Voilà. Alors sur Mini Bikers, on n'avait pas eu la première course. On voit que le public, par rapport à Mini Bikers, on voit que le public c'est le même. C'est tout, c'est de la merde, c'est juste on a des voitures, plutôt que des motos. Les bonus ça a l'air d'être les mêmes. Le démarrage c'est le même. Qu'est-ce qui va être différent? C'est une très bonne question. Ok, les bonus c'est pas les mêmes, on a des lancers de... Alors, juste au passage, vous voyez pas, mais quand je chope un bonus, là, c'est-à-dire un petit item sur la route, ça me donne un bonus. Ça me donne un bonus en bas à gauche, que vous ne voyez pas, parce qu'en fait, il y a ma tête dessus. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Moi, quand je les jette avec la barre espace, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, il y a une course qui commence tout de suite. Donc, en fait on n'a pas trop le choix. Hein. Quand on démarre le jeu, on a des courses. La première fois que j'ai joué à Mini Biker, j'avais pu éviter ça. Mais là, apparemment, on a des courses. Alors déjà, c'est beaucoup plus intéressant à contrôler, ne serait-ce que pour les dérapages par rapport aux motos. Les motos, il n'y avait pas grand-chose à faire une fois que vous étiez... Oh, même le bonus, il a touché mon ennemi. Une fois que vous étiez un peu déstabilisé, c'était mort avec la moto. Que là encore, on a le choix de pouvoir... jouer à... C'est quoi, box? J'ai un truc de réparation. Ok. Donc les courses sont un peu rapides. Par contre, j'ai pas envie de faire des courses infiniment, alors je vais... Abandon. Abandon. Abandonner. Abandon. Ok. Voilà. Oula. Oulala. Alors voilà, on va faire un petit comparatif avec l'autre jeu. Comme on avait fait aussi un peu le comparatif dans l'autre, les tournois, vous voyez que les tournois, ça se compose, donc il doit y avoir des... un peu comme l'autre jeu, voilà, il y a des tournois, vous pouvez... vous en avez plusieurs. Par tournoi, vous avez tout un tas de circuits. Et là, on voit qu'on peut avoir 2550 étoiles, il y a 3 étoiles par circuit, je vous laisse imaginer le nombre de circuits qu'il y a dans ce jeu. Vous divisez par 25 par 3. Voilà, je sais pas calculer. On est entre... 3 x 8, 24. On est à plus de 800 circuits sur ce jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on va commencer un petit tournoi. On va faire la première course du tournoi. Donc je suis obligé de les faire dans l'ordre. Par contre, j'ai pas bien le choix de l'emplacement où je suis. Et on part. Donc on choisit le véhicule. C'est un peu comme les motos. En fait, c'est un copier-coller le jeu. En fait, c'est juste, c'est pas des motos. Voilà. Je pense que d'ailleurs les courses, ça doit être les mêmes entre les deux. Hein. Ils ont pas dû se faire chier. Là, j'ai zéro argent. Je sais pas pourquoi on démarre en faisant des courses tout de suite, surtout qu'on n'y gagne rien. En tout cas, je vais faire un petit tournoi. Là, je peux pas mettre à jour, mais je peux mettre à jour les compétences de la voiture sur laquelle je suis. Choisir une autre voiture, ça, c'est autre chose. Et je peux aussi augmenter les compétences au niveau des bonus que j'ai. De l'huile, les turbos, la glace, c'est ce que j'ai lancé tout à l'heure quand il y a une voiture qui était frisée. Donc je vais sélectionner cette voiture-là. Et on est parti pour cette course. Voilà, donc là c'est la course que j'ai viens de faire en fait, mais en mieux en fait, hein, avec des vrais compétiteurs. Et sûrement plus qu'un tour, voilà, 3 tours. Parce que l'autre, je sais pas à quoi ça a servi, l'autre course que j'ai faite. Alors, le gros inconvénient que j'avais sur Mini Bikers, c'était que je pouvais pas... Hop, là je vais mettre une tache d'huile, bon ça on l'avait aussi, on avait une tache de beurre sur l'autre. Un gros inconvénient que j'avais avec l'autre, c'est que j'avais beaucoup de mal à rattraper... mes adversaires. Alors là, j'ai pas bien compris ce qui vient de se passer, hein, voilà.
Voilà, donc on avait un peu un bonus équivalent dans Mini Bikers. On a l'équivalent du pneu aussi, c'était le marteau dans Mini Bikers. Donc les bonus sont équivalents, c'est juste qu'ils n'ont pas la même tronche. Ça c'est, voilà, le tir. Dans Mini Bikers, c'était des mitraillettes. Hein, sur, mais bon, au final, ça a envoyé 3 balles devant vous. Hein, 3 objets. Là, je suis impressionné, je suis devant. Un boomerang qui ne sert qu'une fois et qui ne rebondit pas contre les rebords. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je ne sais pas ce que c'était. Sûrement un boost. Allez, bah voilà, je suis premier, je suis content. Voilà, j'ai gagné plus de 250, plus de 150 parce que j'ai deux exploits. Donc j'ai 1000, ça c'est bien ça. Ça c'est bien d'avoir 1000. Alors on va faire le deuxième circuit et on va améliorer un peu notre voiture. Genre, bah, plus rapide. Et j'ai augmenté la puissance, mais il n'était pas bleu. Donc il y a un petit bug graphique aussi au niveau de la sélection. Des petits boutons. Allez. Et c'est parti. Donc j'ai augmenté un peu ma puissance. Donc oh putain, oh putain. Alors oui, vous êtes dans ce jeu, vous êtes vachement soumis. Vous êtes vachement soumis aux aléas de, comment ça s'appelle, de vos adversaires. Ça veut dire que quand ils vous tapent, ben ça fait pas plaisir. Alors par contre, les bonus, je peux pas les envoyer par derrière. Même en appuyant sur le bouton derrière. Le boomerang, il sert à rien. Ça rebondit. Hop. J'ai la désagréable impression d'avoir déjà fait ces circuits dans Mini Bikers. Ils auraient pas osé mettre les mêmes circuits. Comme j'avais dit, il y avait de fortes chances que ça soit le cas. Mais j'ai bien l'impression que c'est les mêmes circuits. Que je les connais, quoi, en fait. Hein, les circuits, c'est les mêmes. Ça tourne juste différemment parce qu'on n'a pas le même véhicule. Je comprends pas qu'un copier-coller d'un autre jeu puisse le vendre. Enfin, il y en a un des deux qui devrait être gratuit, je pense, selon moi. Ils ont fait la même chose. Et j'ai 3 étoiles et tout. J'ai encore gagné du fric et tout. Trop bien. Allez, China, cette fois-ci, il fait nuit. J'ai l'impression. On va mettre à jour mes compétences aussi. Et on va augmenter la rapidité, parce que j'aime bien la rapidité. Parce que c'est ça qui fait que vous gagnez ou pas, en fait, hein, tout simplement. Alors, il fait nuit. Ah, ça je me souviens pas avoir testé des circuits de nuit sur l'autre, je ne sais plus. Ok, ta mère. Vas-y, ta grosse mère. Ah, nom de Dieu, vous avez vu? Je réapparais et dès que je touche un adversaire, c'est la merde. Par contre, du coup, comme j'ai augmenté la rapidité de ma voiture, du coup, bah elle est rapide. Par contre, ça a l'air d'être le même circuit que ce que je viens de faire, sauf que je suis dans la nuit. Non. Je sais pas, ils se ressemblent en tout cas, les circuits. Mais je suis content parce que là, je rattrape mes adversaires. Ce qui n'était pas le cas dans Mini Bikers. Je ne rattrapais personne. Hein. Une fois que quelqu'un était premier, bah il était premier. Et puis vous allez vous faire foutre. Ouh, j'ai passé la ligne d'arrivée avec un petit boost. C'est trop bien ça aussi. Allez, on va se faire une petite course. Putain, ça va vite. Hein. On va se faire une petite course. On va mettre à jour la voiture. On va augmenter toujours la rapidité. Parce que c'est trop bien. Et pneus humides, traitement. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je sais pas. Allez, c'est parti. J'augmente la rapidité de ma voiture. Ça fait une grosse, grosse différence. Oh non, non. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que la voiture se débloque assez rapidement. Même si... Vous voyez, il suffit de rien pour faire bugger complètement votre voiture. Vous faites rouler dessus. Vous repartez en sens inverse, c'est n'importe quoi. Je suis 10e. Ah, va falloir que j'assure pour repasser devant tout le monde. Ça va pas être facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme si j'étais un rouleau compresseur. Mais comme j'ai une voiture qui est bien boostée...
Donc, en fait, ça a bien marché, c'était bien un rouleau compresseur, le truc, hein. Ouh, je suis quatrième, il y a moyen de les rattraper. Oh non, 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 mais c'est pas possible, la voiture qui se retourne comme ça. Oui, je suis troisième, je suis qualifié pour gagner cette course. Je suis deuxième, et je finirai pas premier, ça m'étonnerait. Faut pas arriver non plus, quand même. Voilà, je suis deuxième, je suis plutôt content quand même de mon score. C'était beaucoup plus dur à gagner et à rattraper les autres, en tout cas sur l'autre piste. Allez, ben on continue, on s'en fait quelques-unes. Ça fait pas si longtemps que ça. Je vais mettre à jour ma voiture. Hop, allez, encore un petit peu de vitesse, parce que la vitesse, franchement, c'est trop bien. C'est ce qui fait que vous gagnez, tout simplement. Allez, par contre, du coup, il y a très peu de vitesse de chargement sur ces jeux-là. Parce que, ben, le circuit, c'est ridicule, hein. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de différents obstacles. Les routes, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, ça c'est une protection, je l'avais pas eu jusqu'à maintenant, je crois. Ou peut-être au début, je sais plus. Bon, le boomerang, ça sert à rien. Et je suis largement devant tout le monde, et ça c'est bien ça. Ça, j'avais pas l'habitude de gagner sur les mini. Sur les deux jeux mini, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça vient de me donner, la barrique d'essence? Et des bonus, en fait, je sais pas ce que c'est. Et je trouve pas ça intéressant de les augmenter, certains bonus, parce que ça n'a pas... Alors, je suis premier, vous avez remarqué. Par contre, je viens de rattraper mes collègues qui étaient derniers. Donc, en fait, je suis premier de beaucoup. Voilà. Et j'ai gagné. Sous la pluie, gagner une course sous la pluie, plus de 150 en plus. Et ben voilà, j'ai envie de dire, c'est parfait. Monaco, 6ème course. Bon, les courses en elles-mêmes, voilà, vont vite. Là où je m'inquiète, c'est que les courses, il y en a quand même 800. Et que c'est quand même être long. On va en faire une dernière. Et puis, on arrêtera la test parce que bon, bah voilà, vous avez fait le tour. Surtout si vous avez vu la vidéo de Mini Bikers. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à voir. Je vous aurais bien montré le mode en ligne, mais en fait, il n'y a pas de. Ok. Je vous aurais bien montré le mode en ligne, mais il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'est pas en ligne, quoi. Il n'est pas encore prêt. Ok. Non, c'est pas des bugs graphiques. Non, il se passe pas. Il n'y a pas du tout des bugs dans ce jeu. Allez, je suis troisième, on y croit. Ah, des pneus. Des pneus, hop. Ah, par contre, c'est totalement impossible à descendre, les descentes. C'est bizarre quand ça descend. Le jeu a un comportement plutôt bizarre. Et le premier, il est loin derrière, devant moi, en fait, apparemment. Oh non, c'est sérieux? J'ai de l'essence, mais je vois pas de réservoir, donc je sais pas à quoi ça sert l'essence. Ah non, c'est pour jeter de l'essence par terre. Ok, je suis con. Je suis un petit peu con. Je suis très mignon, mais je suis un petit peu con. Ah mon dieu, c'est horrible. Les descentes, c'est complètement bugué. Ça emmène votre voiture un peu partout. Et voilà, on a fini deuxième. Oh, c'est pas une mauvaise fin. Monaco sans frein. Ah, c'est parce qu'on n'a pas de frein. Monaco sans frein. Voilà, on a fait 2-3 courses. Je pense qu'on a résumé un peu ce que c'est un peu là. Voilà, la totalité des... Gagner une course en passant à une dérivée en marche arrière.
On a passé un peu la totalité des fonctions, il y a plusieurs modes, en tournoi, en saison, la série, et le jeu en ligne qu'on peut pas tester. Voilà, pour Mini Drivers, donc le petit frère ou le grand frère de Mini Bikers. Bon, bah voilà, c'est des jeux, je sais pas s'ils en valent le coup. Je sais plus combien ils coûtent, mais faut regarder si ça coûte, si ça coûte quelques euros déjà, ça commence à plus trop valoir le coup pour ce que c'est. Voilà. C'est répétitif, il y en a 800. 800 courses, vous imaginez même pas. 16 étoiles sur 2500, quoi. Infinissable, un jeu comme ça, c'est infinissable. Faut vraiment avoir... Enfin, voilà. Surtout si c'est toujours pareil, si on a toujours le petit bruit de la voiture, je pense qu'au bout d'un moment, il y a moyen de péter un câble. Surtout si vous voulez dire, avec toutes les voitures, je vais faire toutes les courses. Et là, vous faites un nœud dans le cerveau. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez avec mes vidéos. De toute façon, elles sont en Creative Commons. Vous pouvez même les repartager dans d'autres vidéos. Faites ce que vous voulez. On se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Tchou!